Bonjour, je vais donc aujourd'hui vous donner un cours de Pilates. Je rappelle que vous devez tous travailler dans une zone de non-douleur au niveau de vos articulations. Faites bien attention à tout ce qui est remontée de buste avec la tête. Si ça commence à tirer dans les cervicales, vous pouvez adapter les exercices tête au sol. Je rappelle bien sûr qu'on travaille avec le périnée tenu, le transverse engagé, le bassin neutre et c'est avoir une jolie respiration très fluide. Et j'insiste vraiment. Pas de douleur, pas de douleur dans le bas du dos, vous devez vraiment gérer ça à chaque exercice. Bonne séance. On commence assise, perché sur la pointe de ses ischios. On allonge la colonne, des petites bulles d'air entre chacune de ses vertèbres. On place les bras et puis plusieurs fois, sur l'expire, on basculera le bassin. C'est le nombril qui tapisse la colonne. On inspire par le nez et à l'expire, on revient. On déroule la colonne, on se hisse et on fera ça plusieurs fois avec des mouvements de bras. On y va. Inspire, grandis. Et expire, tu bascules le bassin. Le nombril est tapissé contre la colonne. Tu inspires où tu es. Tu souffles, tu reviens. Pointe d'ischion, je déroule le bas, le milieu, le haut. Je bascule à nouveau le bassin. Le périnée est tenu. J'ai respecté la petite balle de ping-pong sous le menton. J'inspire dans la position. Je souffle, je reviens. Et je déroule. Encore. Et on bascule. On souffle, on revient. On rajoute les mouvements de bras. On reste. On ouvrira les bras sur le côté. Inspire. Et presse. Je presse serre entre mes mains. Inspire. Presse, je rentre ma fermeture éclair. De bas en haut, le ventre remonte sous les côtes, le nombril. Et souffle encore une fois. Inspire. Expire. J'inspire dans la position. Je souffle pour remonter. Je reconstruis ma colonne. Je décroche ma tête, on le refait. Je bascule le bassin. Et on monte les bras. Inspire. Et souffle. Je ne bouge pas mes épaules. Hein. Inspire. Et souffle. Encore deux fois. Inspire. Ça doit commencer à chauffer dans le bas du ventre. Inspire. Et souffle. Et je remonte. Le prochain va se dérouler jusqu'au sol. Je bascule mon bassin. J'attrape la de mes cuisses, je tapisse le nombril, je veux que ce dos se déroule vertèbre par vertèbre et je place ma tête au sol. Nous enchaînons avec les déroulés du dos. Nous sommes positionnés tête au sol, le bassin est au neutre. On a un petit courant d'air qui passe dans le bas du dos, mais on a zippé le bas du ventre. Les deux pieds sont vraiment en largeur de bassin et plusieurs fois, je montre une fois rapidement, on ira imprimer le bas du dos et vertèbre par vertèbre, on va monter. Au bout de la troisième fois, on décollera les bras dans une zone de non-douleur pour les épaules et on déroulera lentement le dos sans monter les épaules et on reviendra. On respire bien, on déroule sur l'expire. On y va ensemble. J'inspire par le nez, à l'expire, j'imprime le bas de mon dos et je décolle vertèbre par vertèbre. Je suis en appui sur mes épaules. J'inspire en haut. Je souffle, je déroule. Je relâche en neutre. J'inspire en bas. J'expire, j'imprime. J'inspire en haut. Et je souffle, je déroule. Inspire en neutre. Expire, tu imprimes, tu restes, tu décolles les bras, inspire en haut, expire, tu déroules, tu retrouves le neutre, tu replaces les bras, inspire en bas, expire, je tire le périnée, je suis en appui sur mes épaules, pas sur mes cervicales. Je monte les bras. J'inspire en haut. Et
je souffle. Vous pouvez aller plus bas avec les bras. Vous avez vu, moi je suis coincée. Et je replace et on fait une dernière fois. Inspire. C'est un mouvement qui doit vous faire du bien. On commence à dénouer sa colonne, à l'articuler. On se repousse du sol avec les pieds. Les cuisses restent bien parallèles. Et prochaine expire, je déroule le haut, le milieu et le bas. Et je repasse. On va enchaîner avec un petit exercice de 6 cœurs. Je rappelle, c'est la remontée du buste. On est allongé sur le dos. Les deux pieds sont largeur de bassin. Et on va venir placer ses mains derrière ses cervicales. Quand je me redresse, le ventre ne doit absolument pas gonfler. On en fera 3 comme ça. Puis, on ira tirer les bras vers le ciel pour chercher l'élévation des côtes et pas l'écrasement. On ouvrira les bras sur le côté, pas trop bas. Et on replacera les mains sous la tête sans bouger. On y va. Bras le long du corps. On place déjà son bassin, sa colonne et on vient chercher l'arrière de sa tête. Inspire où tu es. À l'expire, le ventre rentre. Inspire en bas. Et souffle. On reste. On va chercher l'élévation vers le ciel. On ouvre les bras sur le côté. On ramène les bras vers la tête sans redescendre, sans gonfler le ventre. Et on repose encore 3 fois. Expire. Va chercher en haut. Tu ouvres. Tu ramènes. Et tu reviens. Je ne me contente pas du mouvement. J'essaye de tapisser continuellement le bas-ventre sur la colonne. Et on éloigne. On ne monte pas les épaules, attention. Côté. On revient. On repose. On enroule. On s'élève. On ouvre. On revient. Le ventre est rentré. Et on repose. Nous enchaînons un petit réveil du bas-ventre avant de commencer vraiment les 100. On y va. J'inspire par le nez, je montre une fois, je lèverai la jambe droite, je lèverai la jambe gauche et on ira alterner des petits ciseaux de jambes. On touche le sol ou pas. Et on refera une deuxième fois avec le buste remonté. On y va. On est au neutre de la colonne, épaules basses, le menton n'est pas plaqué sur le sternum, on inspire. Et à l'expire, la jambe droite se lève. La deuxième jambe se lève. On tire le bout des doigts, les épaules larges et on y va. Inspire. Expire. Inspire. Expire. C'est encore le début du cours. Donc je fais hyper attention de sentir que je bouge mes jambes sans bouger le bassin. On n'a pas imprimé le bas du dos. On a remonté le bas-ventre. On place une jolie respiration. Et on tient son plancher pelvien. Encore 6. 1. 2. Je respire par le nez. Je souffle par la bouche. Les épaules sont larges. Et on éloigne la tête du coccyx. On replace les jambes. Main derrière la tête. Et on se redresse. Et on reprend le même. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Et je reste. Si vous avez mal au cervical, évidemment, vous reposez la tête. On doit sentir dans le ventre, c'est tout. On y va pour 6. 1. Et 2. Et 3. Veillez à adaptez vos amplitudes de jambes. Encore 2. Je respire. Le ventre est tapissé. Je reviens, je vérifie. Et je ramène mes genoux sur la poitrine. Et je détends.
Ça y est, nous sommes prêts pour les 100. Les 100, je le répète, inspire par le nez avec 5 battements de bras, expire par la bouche sur 5 battements de bras. On a mal au cervical, on repose bien sur la tête, on fera attention à l'élévation des jambes et on adapte l'amplitude de ses jambes si on a mal au dos. On est parti. Allez, on va placer la jambe droite, on va placer la jambe gauche et on se redresse en C-curve. On allonge les jambes ou on les garde ici, c'est vous qui choisissez. On y va. Et essouffle, 2, 3, 4, 5, inspire. Essouffle, 2, 3, 4, 5, on colle ses jambes. Souffle. On revient dans cette position si ça tire. Et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Et souffle. 2, 3, 4, 5. On peut rallonger. 2, 3, 4, 5. Et souffle. On vérifie. Et on revient sur le dos. Petit cercle pour le bas du dos. On détend. On fait le tour de son sacrum. On change le sens des cercles. On va rester là et on va tourner la tête à droite sans bouger ses épaules. Et je tourne la tête à gauche. Nous enchaînons avec les roll up, roll down. Possibilité de faire ça à genoux pliés, d'attraper l'arrière de ses cuisses pour s'aider ou jambes tendues, on ne force pas. On est allongé sur le dos. On inspire, on lève les bras. Je vais vous montrer déjà la version pliée comme ça. Et à l'inspire, on enroule la tête. On peut aller chercher l'arrière de ses cuisses. On tapisse le ventre et on décolle. On bascule le bassin. On peut rechercher l'arrière de ses cuisses pour s'aider. Le ventre est tapissé. Le but, c'est de dérouler la colonne. Ce n'est pas forcément de remonter et de descendre. Et je déroule. On y va. Il faut en faire 5. Inspire, enroule. Expire à l'arrivée. Je ne m'écrase pas sur mes cuisses. Je bascule mon bassin. On passe au-dessus de sa taille. Les épaules larges. Respire, lâchez les têtes. Nous enchaînons avec le one leg circle. Soit vous faites genou plié, soit jambe tendue. Le but, c'est de dissocier la jambe de la hanche. On fait 5 fois. Je fais jambe tendue. Vous pouvez rester dans cette position-là. Ça va être inspire dans un sens, expire dans l'autre. 5 fois. Et 5 fois, et on changera de jambe. On y va. Le bassin est au neutre. Inspire et souffle. Inspire sur un demi-cercle et souffle. Et 3. Et 4. Et 5. Le ventre est rentré. Je change de sens. Inspire, je souffle. On va faire une transition avec un petit ciseau de jambe. On reprend à gauche. Inspire. Et souffle. 2. 3. 4. On est au neutre hein, dans son bassin. 5. On change. Les épaules bien larges. On croise la ligne centrale. Et on respire. C'est un petit massage de la hanche.
dernier. On repose les jambes, on inspire, on lève les bras, on enroule la tête et on vient s'asseoir. On enchaînera avec le rolling like a ball, petite roulade pour masser la colonne, absolument sans force. Rolling like a ball. On place les bras, on bascule le bassin, je lève une jambe, je lève l'autre. J'attrape les deux chevilles, je respecte l'éloignement talon-fessier, je respecte tous les angles en fait. Et sur l'inspire, je roule, expire, je reviens. Inspire, expire, je stabilise à l'arrivée. Jamais de tête au sol. Nous enchaînons avec le single leg stretch et le double. J'ai décidé d'enchaîner les deux, d'accord ? Je vous montre séparément, n'hésitez pas à faire une pause et n'oubliez pas de poser la tête si ça tirait sur les cervicales. Single leg stretch, on se redressera en sit-up et on ira allonger une jambe, échange. Inspire, expire. Ça c'est le single. Double, je reviens dans cette position-là, on va juste faire les bras, juste allonge. Si on manque de place, on fera juste ça. Expire, on revient. On enchaîne ça, c'est parti. On détend bien. Inspirez. À l'expire, je me déroule. Je m'enroule. Et on y va. Inspire. Étire bien la jambe qui s'éloigne. Et je reviens avec résistance. Je vérifie que je ne bouge pas de ma sicker, de ma pointe d'omoplate. Encore 4. Et on enchaîne. On ramène à chaque fois ici. Je m'étire. On continue pour 4. J'ai gardé le menton levé. Les épaules ne montent pas. Le ventre ne gonfle pas. On reste, on stabilise. On ramène. Et on repose. On détend. Nous enchaînons avec les ciseaux. J'aime beaucoup les faire une fois tête au sol pour bien contrôler la longe de la colonne. Le neutre dans le bassin, donc on les enchaîne tête au sol, puis après en sit-up. Je montre une fois. Tête au sol, on fait attention à ne pas imprimer le bas du dos. Attention, ce n'est pas forcément un niveau voilà, débutant. Hein. Faut bien avoir conscience de ce bassin neutre. On lève une jambe et l'autre. Et le but, c'est vraiment de venir bouger ces deux jambes autour d'un bassin qui, lui, est complètement fixé. Ça, ce sera tête au sol. On décollera les bras et on fera avec les bras, on rajoutera un petit stretch. Les jambes s'échangent par la force des abdos et on stretch. Et attention, l'erreur, c'est pas je tiens la sit-curve avec la jambe. On y va, placez tête au sol. Et c'est parti, je respire. Ce qui est agréable avec la tête au sol, c'est qu'on sent parfaitement la longe de la colonne. L'auto-grandissement, le travail engagé par le centre, de base vers le haut. On peut contrôler les épaules, encore 4, et 3, et 2, et on serre. On lève les bras, et c'est la sicker, je ne m'écrase pas. Rappelez-vous, au début du cours, on s'est levé, c'est la même chose, et on y va. Je stretch.
Je tire la jambe au loin. Encore 4. 1. 2. On vérifie toujours. Et on repose. On enchaîne avec le criss-cross. Tête au sol pour l'instant. Bon, en fait, avant le criss-cross, on va en faire un autre. Celui-ci. On développera les jambes. On va serrer le V-pilate, les deux talons ensemble. Sinon, vous mettez les jambes parallèles. Les mains derrière la tête. On descend les jambes. Et quand je remonte, c'est vraiment par la force du ventre. Je ne veux pas d'élan. D'accord? On y va pour 5. Inspire. Je fais une petite pause exprès pour sentir le travail du ventre et pas un élan, sinon c'est trop facile. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Pour le criss-cross, on ne va pas faire forcément les jambes aujourd'hui parce que le but c'est vraiment de bouger le haut sans bouger le bassin. Et dans la version que vous connaissez, souvent ici, vous bougez un petit peu le bassin. Donc je vais vous montrer une version encore plus simple. Les jambes serrées pour bien avoir la conscience que ça, ça ne bouge pas. Par contre, on va en faire plusieurs séries à droite puis à gauche. On y va. On place les mains derrière la tête. Donc je suis sortie du cadre. On s'enroule et on ira faire 4 fois à droite. 1. Et on revient. Et 2. On sent que c'est le ventre qui m'emmène. 3. 4. Même chose à gauche. 3 fois à droite. 1. 2. 3. À gauche. 3 fois. 1. 2. 3. À droite. 2 fois. 1. 2. Et 1. Et on alterne. Droite. Gauche. Et on fait une pause. On passe à 2 étirements, le spine stretch, et je vais vous enchaîner le spine twist parce que je trouve que ça se combine bien. Nous avons les deux jambes largeur de bassin, les bras devant, les épaules basses, on vient chercher l'autograndissement et on ira chercher vers l'avant. On fera ça 5 fois. On y va ensemble. Inspire, tu grandis. On souffle, tu enroules. Et tu remontes. On s'imagine le long d'un mur, le bassin ne doit pas bouger. Les épaules restent larges et surtout basses. Je lâche ma tête. Pas de tension. Donc c'est un stretch, mais c'est surtout aussi un contrôle du sang. Je ne dois pas lâcher dans ma taille, ça passe par-dessus. Et dernière fois, inspire en roule. Je ne lâche pas mon flex dans mes jambes. Hein. Ok. On enchaîne avec le spine twist. On va placer les deux mains dans cette position pour être sûr de ne pas décaler les épaules ou les bras. Souvent, c'est ce que je vois. Donc le spine twist, je cherche vraiment le ciel avec le sommet de la tête. Je vais serrer mes jambes, pardon. Et ceux qui ont du mal à avoir les jambes tendues, vous allez plier les genoux pour que les épaules restent au-dessus de vos hanches. Hyper important. Vous ne faites pas un exercice comme ça. Là, vous n'avez pas le bas du dos en place. Ici, les plus souples, c'est là. Et sinon, c'est ici. On y va, je monte les deux versions. Inspire, tu grandis. Tu souffles. Tu ne dois pas décoller les fesses.
Inspire. On essaie d'aller un petit peu plus loin. Je décolle ni mes talons ni mes fesses. Regardez, les deux coudes doivent être sur la même ligne. Inspire, où tu es. On bouge que dans l'expire pour bien engager le ventre. On inspire, on cherche à se grandir. On souffle, on va plus loin. On revient. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle, on a tenu le périnée. La fermeture éclairée, zippée, j'inspire et je souffle. Ceux qui maîtrisent les bras, on y va avec les bras ici. Inspire et souffle. Dernière version que j'aime bien aussi, je pousse la tête contre mes mains. Une double position pour mieux sentir encore. Inspire. Tu souffles. Inspire, tu te hisses. Tu souffles. On sent bien l'étirement dans le haut du dos. Et on revient. Inspire. Souffle. Les côtes restent fermées devant. Ça reste fermé, hein. Et on a terminé pour le stretch. On va continuer, pardon, sur le ventre. Ok, sur le ventre, attention, le ventre est rentré, on a tiré la petite ficelle du coccyx vers les talons, donc on a légèrement le bas du dos, le bassin en rétroversion légère, d'accord. On sent le pubis qui s'appuie un peu plus dans le sol. On va faire deux exercices. De là, on va inspirer. Première fois, vous essayez de remonter pour bien vérifier que les cervicales restent longues et que les épaules ne bougent pas. On fait ça 4 fois. Une fois qu'on a bien compris, on décolle avec les bras 4 fois. Puis une fois qu'on a fini, on ira allonger un bras, revenir, puis gauche, revient et on repose. Attention en permanence de vérifier que vous ne lâchez pas dans le ventre. On y va ensemble. Les bras sont placés, j'inspire, j'expire, j'essaie de me redresser, c'est pas un mouvement haut. Et je reviens. Je souffle, je n'ai pas lâché mon ventre, vous devez sentir les fessiers tenus. Et je reviens. Je suis toujours en train d'éloigner la tête de mes épaules, ça doit faire du bien. Je reviens, les épaules ne bougent pas, dernière fois. Je souffle, fessiers tenus. On va décoller les mains avec le front. On décolle. On souffle dans la montée. On inspire en haut. On revient, ne lâchez pas le ventre. Le prochain, on reste. Allonge à droite. Et tu reviens. Les fessiers vraiment tenus. Hein, à gauche. Reviens. Encore. Reviens. On respire. Reviens. Dernière fois. On souffle. Les cervicales toujours le plus loin, le plus long possible. Dernière fois, la tête s'éloigne, les épaules n'ont pas bougé, les clavicules voudraient s'éloigner, les coudes voudraient s'éloigner, étirer, et on repose. Les mains sous les épaules, on vient, je ramène les genoux, hein. Et on vient attirer son dos. On déroule. Pour bien assouplir la colonne après ce qu'on a fait, on va se placer. Voilà, à quatre pattes. Attention, les poignets sous les épaules, les genoux vraiment sous les hanches. On imagine un petit fil relié du nombril et par le milieu du dos. Et de là, on va tirer et c'est les deux parties tête et bassin qui s'enroulent. Et on va revenir et chercher l'alignement. On y va ensemble. C'est vraiment pour faire du bien. On allonge le dos. La tête s'éloigne du coccyx, on inspire.
Et à l'expire, la ficelle du nombril tire vers le ciel. Le coccyx et la tête se rejoignent. Lâchez les têtes. Vous allez inspirer. Et en soufflant, vous replacez en même temps la tête et le coccyx. J'inspire, je me grandis. J'expire, j'enroule. Inspirez par les côtes arrière, ça va étirer. Dernière fois, inspire. Et souffle. Et on vient à nouveau s'asseoir sur les talons en détente. On enchaîne la série des side kicks. Je vais y aller très lentement, du coup vous allez faire en même temps que moi et suivre à chaque fois les indications que je vous donne. Deux possibilités, soit vous travaillez la tête au sol, enfin sur le bras, on peut même mettre un petit coussin, vous savez, ou alors vous travaillez dans cette position, moi c'est ce que je vais choisir. Place, voilà. Bien, comme sur le dos, on cherche son autograndissement. L'idée, c'est pas de s'écraser dans le sol, c'est vraiment d'utiliser le sol vraiment presque pour s'en repousser, de se hisser, de se grandir. On doit constamment avoir un petit creux sous la taille. Si vous sentez que ça s'affaisse, c'est que vous avez lâché. On inspire par le nez et en soufflant, on vient lever la jambe. Je veux rien voir bouger que la jambe, le bassin ne bouge pas. On va juste faire ça 8 fois. Pour bien sentir que le bassin est fixé, inspire, souffle. Vous devez le sentir dans le ventre, hein, même avec ce tout petit mouvement. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle, le périnée n'est pas lâché. J'inspire, je souffle. La jambe reste parallèle, inspire et souffle. Dernier, inspire. Et souffle. Je décolle ma jambe, je tourne un tout petit peu en dehors. Et on vient chercher des petits cercles. 1, on en fait 8. 2, pareil, le but c'est de ne pas bouger. Et 3, ne les faites pas trop grands. Et 4. Et 5. On vérifie sa taille. Décoller du sol. Les épaules sont placées. On change le sens. Et 1. Et 2. Le ventre est tapissé contre la colonne. 3 et 4. Je grandis. 5 et je respire. Le bassin ne bouge pas. Et c'est le dernier. Je décolle mes deux jambes. Je me grandis. Et la jambe du dessous va faire. Descends et reviens. On y va pour 6. Inspire. Remonte, la jambe du dessus n'a pas bougé. Et comme d'habitude en cours, je n'ai pas compté, on doit arriver à 6 je pense. On fait avec les deux jambes, en bas. Monte, en bas, monte, j'essaye d'éloigner mes talons, mes pieds de ma tête, hein, je m'auto-grandis, je souffle, inspire, je souffle, essayez de caler votre respiration. Je finis par un dernier, inspire devant et flex à l'arrière. C'est petit à l'arrière parce que je ne dois pas aller m'écraser devant. Et on y va, inspire et flex. Inspire et flex à l'arrière. Inspire et flex. Et deux encore. Thank you.
On repose sur le ventre. Posez la main, le front pardon, sur les mains. On décolle les jambes et on vient tapoter ces talons ensemble 8 fois. La tête est posée sur les mains, mais je crois que je sors du cadre. On repose et on enchaînera à gauche. Ou le bras long. Hein. On y va, inspire. Tu souffles, tu décolles. Simplement ce petit mouvement pour vérifier qu'on arrive à bouger la jambe sans bouger le bassin. La taille est décollée. Et j'en profite pour bien corriger les postures. Souvent, dans ces positions-là, j'ai des têtes qui partent en avant, des épaules qui s'enroulent. Vous devez imaginer votre dos, peut-être encore une fois, le long d'un mur. Tout doit être aligné, les deux hanches au-dessus de l'autre, les deux épaules. Et on enchaîne les cercles de jambes. Petit cercle. 1, 2, 3. 4. Attention aussi de ne pas placer la jambe de terre trop derrière. 1. Je respire. On change le sens. Et 1. 2. Le ventre est rentré. La taille est longue. Ça ne bouge pas. Bien, on lève les deux jambes, on reste. On éloigne les talons, les pieds de la tête et on y va, jambes de dessous. Rappelez-vous de cette belle image du tube de dentifrice qu'on remonte de bas en haut. En permanence, on se rappelle que le ventre reste moteur du mouvement. Même si on sent peut-être la fesse, je souffle. Les deux jambes ensemble. Encore 4. Et on termine par les front and back, devant, 1, et flex derrière, tout petit à l'arrière. Je ne pars pas vers l'avant ni vers l'arrière avec le buste. Je reste bien fixe. Et je repose. Ok, je vous propose d'enchaîner avec des petites planches. Bien attention aux postures, la respiration. On vient placer les deux mains. Bien sûr, hein, tension sous les épaules. J'allonge une jambe et l'autre, j'abaisse mon bassin. On inspire par le nez, on souffle, on se grandit, on souffle, encore une fois, on souffle. Regardons, on va faire un petit exercice avec les jambes. À chaque fois, je vais décaler une jambe et elle revient jambe serrée à gauche et elle revient. On y va ensemble pour 8. 1 et 2. 3 et 4 et 5 6 7 8 on stabilise pour 8 1 2 3 4 5 6 le périnée est tenu, je me repose du sol, 7 8 genoux, j'étire. Je me replace. Je montre une autre petite version. Allonge une jambe, l'autre. Et on va ouvrir cette fois les deux pieds largeur de bassin. On stabilise. Et le petit jeu de jambes, ça va être
ramène. Ramène. Quand je ramène mon genou, l'idée, c'est de ne pas bouger le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, on va jusqu'à 8, 6, 7, alors moi je resserrai mes jambes, mais bon. 8, on stabilise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un genou, l'autre, et on relâche. Et on souffle. On détend. On déroule doucement son dos. Encore deux planches sur le côté. Bon, je vous montre tout ça, évidemment. Hein. Pas obligé de tout enchaîner. Ici, on a bien posé sa main, les jambes, les genoux un petit peu en avant, alignés à vos hanches. Et on vient lever. Et on reste. Première version. D'accord ? Je peux aussi choisir ici. Et je pense que je vais le faire comme ça, je préfère. On y va ensemble. On reste. On imagine une petite ficelle qui nous tire vers le ciel. Ici, ça doit être vraiment tenu. On a stabilisé l'omoplate. Inspirez. Soufflez. Je baisse bien mes épaules. Je suis toujours en train de chercher mon autograndissement. J'ai tapissé le ventre de bas vers le haut. On peut venir tirer le bras pour s'aider. On peut mettre la main derrière la tête pour vérifier qu'on n'a pas enroulé, qu'on n'a pas relâché. On plie ses genoux, on repose. Et on vient, hop, changer de côté. À nouveau, on pousse et on décolle. Inspirez. Soufflez. La petite ficelle qui nous hisse vers le ciel. La tête qui s'éloigne des épaules. Attention de ne pas avoir le bassin trop bas. Hein. Je monte ici. J'essaie de chercher une longue ligne. Mettez bien votre tapis sous votre coude, sinon ça fait mal. Inspirez. Soufflez. Dernière fois, inspirez. Soufflez. Je replie doucement en stabilisant mon omoplate. Et on va terminer par un petit étirement, quelque chose pour se détendre un petit peu. Assis en tailleur, on va placer les mains sur les genoux. On va chercher à éloigner la tête de ses épaules. Et doucement, on va emmener la tête à droite. On ne monte pas l'épaule. On vient écouter ce qui se passe au plafond. Puis on vient attraper la tête doucement. Et on éloigne. On inspire par le dos, par les côtes. Et on souffle. On relâche. On reconstruit. Et c'est à gauche. On éloigne. On ne laisse pas la colonne s'affaisser. On vient attraper la tête. Et on va chercher à éloigner. On attrape ses chevilles et là le ventre se rentre et on vient relâcher. On laisse tomber la tête. On laisse les épaules se relâcher. Le ventre par contre reste tenu. Et je reviens sur la pointe de mes ischions. Je reconstruis ma colonne, j'inspire. Et à nouveau je souffle, je laisse mon bas du dos s'arrondir, se détendre, s'ouvrir. Ventre rentré. Main au sol, on tire la fesse opposée, ne se décolle pas. On souffle. On vient chercher dans la direction du genou. Et on vient faire un grand cercle devant soi
qu'on s'arrête sur le côté dans la direction du genou opposé. Sur le côté. Et on revient. Encore une fois. Et c'est vers le genou. Grand cercle devant. Ouvrez deux jambes largeur de bassin. On vient attraper. Cette fois, je relâche. Donc, j'ai lâché ma tête. J'ai pas trop lâché mon ventre quand même. Et doucement, je reconstruis. Et encore une fois, on vient tirer vers le plafond et devant. J'attrape et je lâche le poids de ma tête. Soufflez. Inspirez bien par le dos. Vous allez voir, ça va relâcher tous les petits muscles intercostaux. Et je déroule. Et ben voilà, on a terminé. Merci beaucoup.